j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature. On va un peu parler du futur de la chaîne YouTube et de ce qui va arriver très prochainement. En tout cas, beaucoup de trucs à arriver. Franchement, je vais faire un peu de changement sur tout ce qui est chaîne YouTube, chaîne TikTok et Insta. Donc, n'oubliez pas d'ailleurs d'aller voir tout ce qui est TikTok, Insta, tout ça. Du gros arrive. Du coup, on va commencer par le normal, donc le studio, tout ça, pour terminer vers le futur de la chaîne. Alors on va un peu parler du futur de la chaîne, des projets de la chaîne, de ce qui est déjà arrivé, les changements qu'il y a déjà eu maintenant. Et voilà, bonne vidéo à tous et à toutes. Ce qui est déjà arrivé, et je pense, vous l'avez remarqué, mais ça c'est un nouveau style pour filmer. Voilà, maintenant ce sera un peu comme ça. Je sais, c'est un peu de la merde pour l'instant. Le décor derrière n'est pas fameux. On va se le cacher, on a un emoji merde là-bas. On a pour l'écran, pour l'instant l'écran on le voit pas trop. Il va falloir que je change ça, je pense, parce qu'il n'y a pas assez de lumière, ou peut-être que l'écran fait trop de lumière. Je sais pas, ça fera changer tout ça. Du coup voilà, dès sur le mur on va pas rester blanc, il va changer. Donc ce style de vidéo sera plus quand on sera posé pour parler comme ça. Il y a pas longtemps j'ai acheté un micro cravate, donc ceci la loi des changements qui a déjà, bon c'est pas encore arrivé dans les vidéos, mais normalement ça devrait arriver dans tout ce qui est vidéo gaming et tout ça. Mais j'ai acheté un micro cravate, du coup ça, je m'en servirai pour les vidéos gaming, ce sera beaucoup mieux pour filmer tout ça, ce sera beaucoup plus, je pense que le son sera beaucoup plus net, et je pense qu'on entendra moins les bruits en arrière-plan, les et tout, on les entendra beaucoup moins. Niveau série, je pense que vous l'avez déjà remarqué, il y a une survie de la saison 2. Donc la série c'est Survie Océan Nomade qui a fait son retour sur la chaîne, je pense que vous l'aurez vu, c'est la saison 2. Donc j'ai fait, je crois, pour l'instant deux épisodes ou un épisode. Niveau qualité, on peut rien changer, parce qu'on a vu que dans l'épisode 1 de la saison 2, il n'y a rien qui a changé, donc c'est toujours la même merde. C'est la qualité, elle est bof, elle est pas fameuse, mais ça vient pas de moi, ça vient simplement du jeu. Donc je sais pas, il n'arrive pas bien à s'accompagner avec l'enregistreur d'écran, et du coup ce qui donne un truc comme ça. Et je sais, il va falloir changer tout ça, et je vais essayer de changer ça à l'avenir. Le futur de la chaîne, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo de ce style, mais le futur de la chaîne, c'est tout simplement que normalement il y a une grosse série qui est actuellement en travail, ça j'en avais pas encore parlé, mais c'est tout simplement une compétition FIFA. Du coup, on fait une compétition. Comme vous savez, dans la vie, il y a la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, la Coupe de Belgique, la FIFA, la Jupiler Pro League et des trucs comme ça, la Liga Spencer, ça. Et ben moi je vais créer ma ligue, donc sur FIFA, donc ce sera des vidéos qui seront disponibles sur YouTube, en live, sur Twitch, parce que pour l'instant je peux pas faire de live YouTube ni TikTok. Et normalement il devrait avoir tout ce qui est match de coupe et tout ça, donc ce serait vraiment une ligue spéciale. Je n'ai pas encore le nom de la ligue, donc si vous voulez me mettre un nom pour la ligue, pour la série si je puis dire, parce qu'on va pas l'appeler Ligue des Champions, hein, puisque ça existe déjà. Mais par exemple, voilà, si vous voulez me donner un nom, eh ben, allez-y, mettez tout ça en commentaire, comme ça vous passerez dans la vidéo, et je pense que vous avez beaucoup de chance que je sois pris, puisque en général, il n'y a pas beaucoup de personnes qui commencent. Dans le futur, normalement, en fait, j'en avais déjà parlé sur TikTok, donc c'est un événement qui devait arriver sur TikTok, mais normalement, aux 1000 abonnés, eh ben, je vous avais promis qu'il y aura un gros événement qui arriverait tous les ans avant Noël, donc dans la semaine du 24, qui précède le 24. Il devait avoir en fait un live d'une semaine jusqu'au 24, donc ce serait du 6 décembre jusqu'au 24, enfin moins, mais normalement ce serait un événement qui aurait tous les années, donc ce serait pour récolter des dons et puis pour les envoyer à une association, donc les envoyer, je sais pas moi, ça peut être à Viva for Life, pour la SPA ou pour d'autres associations, donc ce serait un événement qui aurait normalement sur TikTok ou sur YouTube, mais je pense que ce serait plus sur TikTok puisqu'il y a plus de gens sur TikTok. Mais pour ça les gars, j'arrive plus à parler. Pour ça les gars, il me faut me faire les 1000 abonnés pour que je puisse faire des lives. Donc on commencerait par des lives basiques, et puis pour normalement faire tout ce qui est live une semaine, live gaming, et même des lives où on parle tranquillement
et tout ça. Normalement, les amis, ça peut déjà arriver, donc c'est pour le futur de la chaîne, donc vous pouvez déjà le faire maintenant. Mais normalement, vous avez moyen de passer dans mes vidéos YouTube, TikTok et Insta. C'est super simple. Il suffit. Oula, je vais faire tomber la caméra. Ouh, je donne un coup dans le trépied. Ça va mieux. Donc oui, je disais, vous pourriez normalement passer dans les vidéos. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez déjà faire. Il suffit juste de commenter la vidéo ou de me parler que vous avez une chaîne YouTube. Je vais voir votre chaîne YouTube, je vous fais une pub. Et normalement, voilà. D'ailleurs, en parlant de pub, il y en a déjà dans la description. Voilà, Gabriel Fardeau, le Sassassin sur TikTok, Ronald Tolguet qui a une chaîne YouTube et une chaîne TikTok, ma chaîne TikTok, mon Instagram, et bien sûr abonnez-vous à la chaîne. Niveau futur de la chaîne, un autre truc qui est censé arriver, et ça c'est toutes les années pour l'octobre, j'avais déjà fait pour l'octobre, c'est trop français ça. Pour le mois d'octobre, du coup, comme toutes les années, pendant normalement tout le mois d'octobre, je fais que des vidéos qui se rapprochent un peu plus d'Halloween. Et plus on se rapproche du 31, plus c'est des vidéos en rapport avec Halloween. Donc normalement ce sera des réactions à des vidéos flippantes. Ou alors je vous balancerai normalement aussi le 31 ou avant le 31 un clip sur Halloween ainsi qu'un film. Si vous voulez un film, j'en ai déjà sorti un. Normalement il est dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Vraiment super film. C'est en gros, je me suis basé sur un jeu et j'en ai fait un film. J'ai plusieurs potes et proches qui ont bien kiffé le film, d'autres personnes qui m'ont dit que franchement il était plutôt bien réalisé. Donc c'est The Last of Us 1, puisque normalement il y a 2 qui va arriver. Je sais pas c'est pour quand, mais il est en préparation. Nouveau style, normalement pour filmer niveau gaming, il y a pas longtemps je vous avais fait une vidéo Fortnite, bah 2 vidéos Fortnite je crois. Et bah tout simplement, c'était totalement mal filmé. Mais déjà 2 fois que je me trompe. Du coup, donc pour ce qui est des vidéos Fortnite, j'avais juste en fait posé la caméra là et en fait j'étais en train de juste filmer l'écran comme ça. Mais normalement, bientôt il va y avoir un nouveau style pour filmer. Je vais tout simplement enregistrer carrément l'écran. Voilà, j'ai trouvé comment faire. Et normalement, il y aura aussi une caméra pour filmer ma tête. Du coup, voilà, ce sera beaucoup mieux. Bien sûr, avec le nouveau son et tout. Et du coup, voilà, ça devrait être normalement beaucoup mieux. Et je pense que ça va kiffer, que vous allez kiffer. Pour ce qui est des vidéos déjà, par exemple sur Roblox et tout, ça vraiment ça changera pas, on pourra toujours pas voir ma tête, malheureusement. Ça je saurais rien faire, il y a juste pour les vidéos console qu'on verra ma tête, mais pour ce qui est des vidéos sur mon téléphone, donc pour ce qui est de Roblox, du PES, ça je pense pas que j'en referai. Roblox, Raft Survival et d'autres trucs comme ça, je pense pas que je saurais en faire maintenant. Les gars, je voulais aussi vous parler que normalement je vais faire des FAQ sur la chaîne. Il suffit juste de me poser vos questions, donc en commentaire YouTube, TikTok ou Instagram, et j'y répondrai du coup en vidéo comme j'avais déjà fait. Normalement, j'avais déjà fait une FAQ il y a déjà de ça, je pense que c'était pendant les vacances, je sais plus. Et donc, posez-moi vos questions en commentaire sur TikTok, YouTube, Instagram, et j'y répondrai en vidéo YouTube. Donc avec le commentaire qui apparaîtra. Et du coup comme ça vous aurez votre petite dédicace en même temps. Du coup voilà, mettez vos questions en commentaire, j'y répondrai en vidéo. Des vidéos théories et réactions. En effet c'est ce qui est censé arriver sur la chaîne YouTube. Je vous en avais déjà parlé à l'époque. Mais enfin niveau vidéo théorie, ça j'en avais pas encore fait. Mais normalement tout ce qui est vidéo réaction, on en avait déjà fait je crois 1 ou 2. Mais normalement, ouais, ça c'est censé arriver, je pense, après les vacances d'Halloween. Enfin, déjà, il faut attendre que quelques séries partent de la chaîne, donc que je termine certaines séries. Et normalement, il devrait y avoir des vidéos, réactions et tout ça. Puisque pour l'instant, j'ai trop de trucs qui sont lancés. J'ai Roblox, j'ai Raft Survival, j'ai... je crois que c'est tout en fait. Je sais plus. FT, je sais plus. Je crois que j'aille voir sur ma chaîne YouTube les séries qui sont... Je crois qu'il y en a 3 au total. Raf Survival et Roblox, ça j'en suis sûr. Donc c'est il y a Resort Tycoon, il y a Raft Survival Océan Nomade. Et je crois que c'est tout. Je sais plus.
Normalement, ouais, c'était tout, mais je sais pas. Donc voilà, donc ce qui devrait arriver sur la chaîne YouTube, il devrait avoir FIFA, donc une grosse série FIFA, donc en mode carrière ou en mode normal aussi. L'événement live une semaine avant le 24, enfin avant le 24 décembre, et des rencontres abonnés. Voilà, c'est ça que je vais vous parler, des rencontres abonnés normalement pourraient arriver. Donc je sais pas quand encore, mais normalement des rencontres abonnés devraient arriver. Donc je sais pas encore quand, ça sera vraiment dans très longtemps, mais voilà. Du coup les gars, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. J'ai plus trop de trucs à dire pour l'instant, à part que normalement plus tard il devrait avoir des vidéos paranormales sur la chaîne. Et du coup, ça, je sais très bien que c'est un truc qui vous tente de ouf, que vous attendiez depuis longtemps. Voilà, il faut que je reparle avec Fenrir, donc sa chaîne YouTube est en description aussi. Voilà, c'est lui normalement qui avait lancé le projet. J'ai déjà fait des vidéos avec Fenrir, donc je crois qu'il n'y en a qu'une pour l'instant sur la chaîne, elle est en description. Du coup, c'était... On vous parle de nos trucs vécus, je sais pas quoi là. De toute façon, ça apparaît à l'écran et c'est en description. N'hésitez pas à aller voir la vidéo et à vous abonner à la chaîne de Fenrir. Sur ce, je pense qu'on va arrêter ici. Je vous rappelle que vous pouvez voir mon TikTok. Je fais tout le temps des vidéos, tous les jours quasi. Mon Insta où je fais beaucoup, où je poste beaucoup de photos. Et c'est là où vous pouvez savoir quand une vidéo YouTube sort. Puisque, enfin, c'est en tout cas ce que maintenant je vais faire, parce qu'avant je ne faisais pas. Mais normalement, à partir d'aujourd'hui, à partir de cette vidéo, maintenant il y aura l'information sur Insta de quand sort la vidéo et tout ça, des projets arrivés. Du coup voilà. Moi en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. C'était Guépard. Ciao ciao.